Salut les plantes addictes! Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on arrose ces succulentes en hiver. Tu verras, c'est très simple, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. On y va? Salut, moi c'est France. La semaine dernière, j'ai répondu au tag de Mademoiselle Blume et je t'ai présenté ma Crassula ovata. De Il là... semblerait que tu aies bien aimé, alors du coup, j'ai décidé de t'expliquer comment j'arrose mes succulentes Grâce à... en hiver. Pour moi, la meilleure règle à suivre, c'est de les arroser toutes les 3 semaines. Bon, il faut de C'est la régularité. si tu les conserves dans une pièce entre 12 et 15 degrés, voire même un peu moins, c'est encore mieux. Si tu n'as pas d'autre possibilité que de les garder dans une pièce qui est chauffée, passe à un arrosage toutes les 2 semaines. Juste pour humecter le substrat, il faut jamais les détremper. Bon là, tu vois, il a plu. Donc celle-ci, on va regarder la terre. On va quand même arroser. Donc celle-là, je vais l'arroser. Celle-ci, celle-là. Et regarde celle-là. Donc ici, tu vois de l'eau. Il a plu, mais pourtant, regarde. Ça, en fait, la pluie, elle tombe, elle ricoche. En fait, le substrat derrière. Il est hyper sec. Donc en fait, il faut que j'arrose. Et pour ces plantes-là, ce format-là, là, là, toutes celles-là, je vais arroser à peu près ça. C'est-à-dire 20 centilitres. Pour toutes ces plantes-là, les petites. Pour celui-ci, celui-là, là, je vais arroser. Ça, 250 millilitres à peu près pour lui. Hop. Et pour des petites choses comme ça, là, ça va être quelques gouttes en fait. Parce que si je la prends, tu vois, ici, c'est tout sec. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si tu as des questions concernant l'arrosage des cactées et des succulentes, n'hésite pas à me le faire savoir sous cette vidéo. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine Allez, et je te prépare. Prends soin de toi. Bise.